Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur, cycle nomade en vélo-roulotte avec ses chiens Minos et Nouchka. Nouchka, c'est le husky, Minos, c'est le border collie. Alors c'est parti pour l'épisode 18, direction Méditerranée. Là, la mission du jour, on est à Castelnaudary. Ça sera de trouver le meilleur cassoulet du coin. Yep. Et c'est par là que ça se passe. Et c'est parti pour l'épisode 18. En route vers une nouvelle aventure. Et voilà, j'ai trouvé un petit endroit où nous garer. Les chiens sont à l'abri. Moi, je vais aller manger un petit cassoulet au café L'Escapade. Je vous en dirai des nouvelles après. Mais par respect pour les gens, sauf s'ils m'autorisent, je ne vais pas filmer. Mais on va essayer de vous fournir quelques images. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on est nouveau sur le canal du Midi. On vient de quitter Castelnaudary, direction Carcassonne. Voilà, franchement, à peine quitté Castelnaudary, il y a des gros graviers. L'accroche est plutôt dure. Mais ça le fait quand même. Et c'est parti pour un inforoute. De Castelnaudary à Bram. La piste cyclable est praticable. Il faut aimer rouler sur du gravier. Trois quarts, c'est une piste cyclable en gravier. Après, on a une petite route comme ça. Donc avec pas mal de nids de poules. Regardez-moi les trous. Donc voilà, ça c'est sur environ 600-700 mètres. Et après, je vous montre. On avait déjà été voir avec les chiens qu'est-ce qui nous attend derrière. C'est un chemin de terre praticable. Il paraît jusqu'à la ville prochaine. Donc on va continuer sur le canal du Midi. Mais de Castelnaudary à Bram, rien à signaler. Bien au contraire, n'hésitez pas à passer par là. Ça vaut le coup. De jolies écluses. Le canal du Midi, comme d'habitude, magnifique, surtout par une journée ensoleillée comme aujourd'hui. Allez, on continue, je vous montre la suite. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Alors nous on va rester au milieu, ça roule mieux. Les chiens toujours à leur poste. Allez, c'est parti, on continue. Et dès que je vois une amélioration ou le contraire, on se retrouve direct après. Et nous voilà arrivés pour la nuit, on va se poser là. Donc on est au pont du canal de Rebenty. Jusque là, la route a été difficile d'accès. Alors je conseille vivement de rester côté route voiture, on va dire. Parce que je vais vous montrer un peu. Voilà, la route voiture c'est là, mais par contre, regardez la descente qu'on vient de se faire, c'est chaud, chaud, chaud. Et côté chemin de halage, donc
Généralement, les vélos passent par là. Ça le fait pas. Je vais vous montrer la route pour demain. Donc, personnellement, ici, pour 2 km, oui, 3 au total avec le kilomètre de plus qu'on fera demain pour retomber sur la départementale. À moins d'avoir besoin d'un endroit pour dormir, un peu comme nous ce soir, je le conseille pas. La route pour demain, c'est ça. Bon, la question c'est pendant combien de kilomètres la route reste dans cet état, parce que ça va franchement, mais je pense que je vais arrêter là. Je vais reprendre la départementale 33 qui mène à Carcassonne à 1 km d'ici, et puis ce sera tout. On va arrêter le canal pour on va arrêter le canal pour le moment. Allez, à plus tard. Alors nous voilà à la sortie de Carcassonne. Bon, pour la ville, c'était pas terrible à traverser. C'était surtout sur des rues pas très partagées avec les voitures par contre. Donc voilà. Voilà, on est plutôt pas mal. C'est pas très large, mais on est bien. Allez, on continue. Info route, je décerne à Carcassonne la palme de la route la plus dangereuse. Alors déjà, regardez ça. Ici, c'est carrément des marches. Donc on a pris ici sur le côté. Voilà, des traces de pneus. Et à partir d'ici, ben, y a un tournant sur la gauche. Voilà, là, les voitures ne nous voient pas. Et sur la droite, ben, ils ne nous voient pas non plus. On doit traverser. Et à partir d'ici, regardez-moi ça quoi. Donc on est passé nous ici. De nouveau là, des marches. Et là, hop là, c'est parti pour la glisse. Regardez, on voit encore les traces de ma roue arrière. Et à mon avis de la roulotte. On a fait un joli dérapage. Dérapage. Ça glissait comme c'est pas permis. C'était hyper dangereux. Heureusement que j'ai bon frein. Et voilà. Franchement, la palme de la plus mauvaise piste cyclable de France, en tout cas que j'ai traversé jusqu'à présent, avec un passage super dangereux, un dénivelé de fou pour le pont, mais en plus la qualité de route est vraiment vraiment voilà. Je vais pas dire de gros mots, mais ça se prend là. Allez, c'est reparti. Et on est reparti pour un petit info route. Alors les deux dernières écluses de Carcassonne sont vraiment dangereuse. Sinon après apparemment ça part comme ça jusqu'à Trèbes. Là on est parti pour Trèbes. Allez, on va aller voir ça. Avant d'arriver à Trèbes. Bon, je vous montre. Ça c'est après Trèbes, direction Marseillette. Une belle bande d'herbe au milieu, mais surtout ça a poussé pas que l'herbe, donc ça augmente un peu la difficulté, mais on avance doucement mais sûrement. Je vous montre. Hop. Allez, c'est reparti. Maintenant, on doit être plus ou moins 5-6 km de Marseillette. Et la route est redevenue plus ou moins normale. Donc, c'est des gros graviers. L'adhérence n'est pas terrible. Pour moi, c'est comme rouler sur l'herbe tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas les plantes qui te tapent dans les mains, dans le guidon. Au moins, on est tranquille avec les chiens. Et puis, c'est au bord du canal. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Allez, sur ces belles images, on va reprendre. Allez, on va immortaliser ça. La première fois depuis que j'ai le trike, donc le tricycle vélo couché, où je rate un peu, mais regardez un peu ça aussi, la descente, pour un tournant très sec.
qui me faisait déjà arriver dans les buissons. Et voilà. Et Barda, celle en Bardet. Donc on va décrocher, déplacer légèrement le vélo et remettre la roulotte sur la route et reprendre notre petit bonhomme de chemin. Allez, c'est reparti. Là 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 là, passé Pichéric, direction la Rodorte. À un moment, on vous propose de passer donc à droite du canal. Et voilà, c'est un chemin comme ça. Donc je pense que jusqu'à la Rodorte, ça risque d'être un peu en mode 4x4. Mais c'est bon. En plus, il pleut, allez. Ouais, il pleuvine, j'exagère. Regardez, il pleut pas tellement que ça. Il pleuvinait un peu tout à l'heure, mais bon. On est quand même dans le sud. Hein. Allez, c'est reparti. Vous êtes prêts, les lolos? Allez. Donc la vidéo tout à l'heure était à Puy-Chéric. Un peu avant Puy-Chéric. Là, on a passé Puy-Chéric. Et vous fiez pas au chemin qui est là. C'est des gros graviers. Ça roule absolument pas. Et puis après, c'est pas mieux. Et j'en ai franchement marre de cette route vélo qui est vraiment en mauvais état. Donc je vais reprendre la route en face là. Puis première à droite jusqu'à le ou la Rodorte. Puis Amps. Et là, on reprendra la voie cyclable normalement. Qui est en meilleur état, il paraît. On va aller voir. Comme je disais, on a dû quitter à la Rodorte. Hein, puis on a repris, on a coupé à travers, on a repris la départementale pour rejoindre Argens de Minervois. Et à partir de là, il y avait une petite piste et puis un peu de nouveau plus, mais il y a toujours moyen de longer la départementale qui suit le canal. Et puis on tombe quelques mètres après sur le canal et la route est vraiment nickel. Et puis apparemment on n'est plus très loin de Narbonne. On va rejoindre bientôt le canal. Oula, le canal qui reliera donc le canal du Midi à Narbonne. Et nous voilà à Le Sommeil. Petite surprise du jour pour commencer. Hop. Je vais vous montrer de plus près, vous allez comprendre mon problème. Salut les chiens. On va reculer sans tomber dans le canal. Voilà. Alors c'est large comme ça et haut comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais à mon niveau de tête, voilà. Ça, c'est la marche qui est là. Et puis après, il y a la courbe. Donc voilà, j'ai décidé de passer les chiens en premier de l'autre côté. J'ai trouvé un petit arbre, on va les attacher, puis on va venir chercher le vélo et puis on passera la roulotte, parce que ça serait pas comique si depuis 3 jours il pleut. Heureusement hier c'était surtout la nuit, avant-hier toute la journée, mais cette nuit aussi il y a plu. Donc voilà, résultat des courses, c'est, regardez l'état de mes chaussures, c'est vraiment boueux. Là c'est des pavés, ça glisse, je vais pas prendre le risque, je vais le passer à la main. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà, comme ça vous vous faites une petite idée. C'est clair qu'avec les chiens on serait pas passé, puis à vélo, voilà, je la préfère à la main. Au moins, je sais comment elle réagit. Je peux bien me positionner et voilà, c'est plus sûr. En tout cas, moi ça me tranquillise. Vous voyez hein, la hauteur de le plafond. Faut pas être beaucoup plus grand quoi. Alors, on a encore un peu d'espace mais voilà. Allez, on va sortir de là. Maintenant il y a un tournant, c'est ça que j'apprends aussi avec le vélo. Là, on va rejoindre les chiens qui m'attendent gentiment là-bas à côté du vélo. Allez, on y retourne. Et voilà, à Le Sommeil, quand vous voyez ce pont, ça veut dire qu'il faut passer de l'autre côté. Ça grimpe bien, le début c'est des pavés, puis après c'est du béton. Oui, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est légèrement pluvieux, donc l'adhérence, c'était mort. Je me suis fait pousser pour le début du pont, où il y a les pavés, et après ça montait tout seul. Hop, je vous montre Le Sommeil. Très joli petit village. Regardez-moi ça. Allez, on y retourne. Et on n'en a pas fini avec Le Sommeil. Une barrière avec une serrure
à clé, je ne sais pas l'ouvrir. J'ai déjà passé, j'ai gagné du temps, j'ai passé les chiens. Voilà, voilà, c'est par là qu'il va falloir passer avec la roulotte. Bon, ça passe, hein. Normalement, c'est assez large. De nouveau, hein, la problématique de plus de 90 cm. Ça va être difficile. Déjà, moi, je touche de temps en temps. Il y a des marques sur la roulotte pour le prouver. Regardez. Hop. Allez, c'est pas tout ça, mais faut y aller. Et voilà, le moment tant attendu, en tout cas de ma part, dans cet épisode. Derrière la roulotte et les chiens, c'est le canal du Midi. Et là, c'est le canal de jonction qui mène à Narbonne. Là. Narbonne, nous voilà! Et nous voilà de nouveau bloqués. Première écluse après la jonction, donc à la jonction du canal et le canal de la Robine, il y a ça, une barrière avec deux cadenas. Ça, c'est le genre de truc qui ne devrait pas exister, surtout que là côté, c'est ça. Donc, je viens de passer le vélo. Le vélo fait 85 de large, c'est passé tout juste. Voilà, si par exemple cette pierre était un peu plus droite, hein, vous voyez là, elle est légèrement courbée, donc j'ai peur que là ça touche. Donc toute la partie ligne blanche là, c'est mort pour moi. Bon, on va voir ça tout de suite. Hein. Meilleur moyen de le savoir, c'est de le faire. Ah oui, oui, et puis un petit obstacle aussi avant. Va falloir aller un peu dans le buisson, car ils ont mis un poteau là. Car j'ai pas le choix si je veux passer. Vraiment tout droit, sans encombre. Faut que je me mette dans l'alignement. Donc, voilà, je me suis déjà pris le poteau. Allez, on y va. Voilà, comme c'était prévu, mais j'avais pas vu venir. Le poteau n'était pas droit. Et le buisson me pousse littéralement vers le poteau. Donc, ça va faire une belle griffe. Ah bah voilà, là c'est mort, je le sentais, impossible. Là ça passerait tout juste, mais là, vu que la terre n'est pas droite, ah voilà, ma roulotte elle penche vers le poteau et c'est mort. Voilà, on va essayer de trouver une solution. Bah voilà, il n'y a pas le choix. Donc j'ai écarté les poubelles. Une grosse pierre là, vu qu'elle est déplaçable, ça bouge, donc voilà, je vais créer un passage. Je vais laisser la pierre sur le côté, remettre les poubelles devant, et comme ça, si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il passe par ici, et qu'il est trop large, comme moi, à 90, vous pouvez passer ici sur le côté, derrière les poubelles, et je vais faire un passage. Ah, je vous dis pas, je suis essoufflé, quoi. Voilà le passage, vous voyez la barrière, l'arme, la pierre, premier écart, là ça passe, et après derrière les poubelles. Et donc voilà, j'ai remis des poubelles qui cachent, mais le passage il est là. Si on me demande pourquoi j'ai pas ouvert un autre chemin qui est la petite pierre là, c'était vachement plus facile, bah c'est à cause de la voiture comme vous voyez. Donc allez, hop, et nous on va reprendre la route. Un petit inforoute, passé Cuxac d'Aude. Donc, en fin de piste, on arrive ici. Et là, il n'y a plus d'indicateur, mais si on regarde les panneaux de route, les panneaux de circulation des voitures, Narbonne, c'est à droite, donc on va continuer par là. Et nous voilà enfin sur le canal de la Robine, qu'on va longer jusqu'à Port La Nouvelle en passant par Narbonne et à nous la Méditerranée. Et en voilà une belle route, un vrai billard, ça roule tout seul. Alors on est près de Cussac d'Aude, on a repris un bout de départemental depuis la Salélesse d'Aude, donc on est passé côté rive gauche, bien sûr toujours direction Narbonne.
Et donc on a fait pendant 2,5 km sur la départementale, qui est une grosse, mais ça va, les gens ne roulent pas trop vite et pas eu énormément de circulation, même si actuellement il est 16h. Et puis après, vous voyez, moins de 2,5 km, il y a cette piste cyclable qui est un vrai bonheur. Allez, on continue. Ça vaut la peine de s'arrêter, vous montrer ça, l'état des routes. Moi qui étais si content de rejoindre le canal de la Robine. Regardez comme c'est beau, on est juste après Narbonne. Mais alors là, franchement, un état des routes comme ça, j'avais pas vu ça depuis très longtemps. Et ça, c'est qu'une partie de la route, il y a des racines qui ressortent. J'avais pas ce souvenir là il y a 5 ans, mais voilà, surprise. Allez, c'est pas grave, on garde notre objectif en vue, atteindre la Méditerranée, et c'est par là. Et voilà, on a quitté Port-la-Nouvelle. Voilà, sur la voie cyclable qui se trouve entre la voie ferrée et la Méditerranée. C'est le coin des campings, si j'ai bien compris. Et là, on va direction le 4. Allez, c'est parti. Et voilà, je fais une petite pause là pour vous montrer un peu le paysage. Là-bas, c'est la Méditerranée. En face, le 4. Et ça, c'est la piste cyclable qui longe la voie ferrée. Ça roule pas terrible, hein, mais bon. Ah, la vue vaut le détour. Allez, on y retourne. Nous sommes actuellement sur les falaises entre la Franquie et le 4. Un petit inforoute. Après la Franquie, on doit prendre à gauche donc pour monter côté falaise et rejoindre le 4. Donc la première à gauche directement à la sortie de la Franquie, ça grimpe bien pendant 800 mètres au moins. Donc comme ça vous êtes averti, un averti en vaut deux. Allez, c'est reparti. Alors juste devant nous c'est le mont Canigou, nous on est là, il y a des chevaux, regardez-moi ce paysage. Alors, pour l'inforoute, vous traversez après le 4. Le 4, vous allez direction la plage. À un moment, arrivé à la plage, il y a un grand parking. Vous longez sur la droite et vous arrivez sur cette piste cyclable qui mène aux ostréoculteurs. Alors, on va aller manger des huîtres. C'est le gros de le 4 où il y a les ostréoculteurs. Donc, c'est par là. On va aller manger des huîtres. Voilà les amis, la suite de l'épisode 17, donc pour le challenge de l'Atlantique à la Méditerranée, c'est fait. Nous sommes actuellement à Port-le-Quête. Donc au début de l'épisode 18, nous sommes partis de Toulouse et nous sommes arrivés donc à Le 4. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager et surtout vous abonner. Il vous est toujours possible de financer cette chaîne pour 1€ par mois sur utip.io. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Nouchka et Minos vous salue. Ciao, ciao.